les bains. Tu veux ton portable pour faire les photos ou quoi? Ouais. Mais bah oui. Comment tu veux? Ça pue. Ils sont gros, hein? Eh ouais. T'as encore les viscères et tout. Et ils en font de l'engrais. Alors t'as vu comment on les écrase? Ouais. Eh ouais. Ah oui. Ah ben, c'est-à-dire qu'ils sont dans les seaux, donc il est là, bah oui. Voilà. Après, son tam. Ou ton miam. Ton miam. Et les capous à falang kinka ou ton miam. Ils doivent plus sentir l'odeur à force. Ah ben non. Ah ben non. Puis, c'est pas ça, parce qu'eux, ils sont payés. Au kilo, hein. Au plus ils en font, au plus ils sont payés. C'est tout simple à comprendre. Hein. Bah, il en faut, hein. Il en faut combien pour faire un kilo, hein? Je sais pas. Sec. Bah, ah oui, oui, tu sec. Tu dis qu'ils font de l'engrais pour les... Eh oui, tout le monde le sait. Ce sont des vers de terre. Je vais vous montrer de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est le vers de terre qu'on fait sécher. Mais je vais vous montrer le vers de terre quand il est... Allez, on commence par le début. Allez, je vous fais un petit live pour ceux qui sont pas... qui sont nouveaux sur Facebook avec moi et que vous n'avez pas vu ça. Donc c'est dans mon village. Hein. Ici, nous recevons par une compagnie d'élevage de vers de terre. On reçoit des vers de terre qui sont ici. Ils viennent en sac comme ceci. Nous, on va les mettre là et on va les mettre dans la terre. D'accord? Après, une fois qu'on les prend, on les met dans les petites bassines comme ça. Et il y a cette petite machine là. Regardez. On va les faire passer tête première ou même par l'arrière. C'est pas grave. Et ils vont ressortir comme ceci. En fait, cette machine, elle ouvre le ver de terre en deux et elle va enlever tout l'estomac, tout ce qui est comme ça. Il va rester que la peau. Voilà. Les déchets, on va les jeter. On va les jeter. Ils retombent avec. Ils les ouvrent simplement. Voilà, exactement. Et après, ça part dans les rizières, mais figurez-vous que, franchement, ça fait vraiment de l'engrais. Donc, ils sont payés aussi à... Ma maman qui répète le live que je suis en train de vous balancer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième phase de l'engrais. On fabrique de l'engrais. Allez, on y va. Et là, on va les faire sécher. Eh oui, on va les faire sécher. Ça sèche, ça sèche. Voilà, comme ça. Une fois qu'ils sont secs, et on va aller là-bas, on va aller voir le Pouyaban, qui travaille aussi. Sawadikap. Oh, maman Bella. Wani, tamganuya. Mes photos. Donc, c'est sur son terrain. Et voilà, ça, ce sont les vers de terre secs. Ils vont en faire des sacs, ils vont les peser et ça sera dans le kilo. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce qu'il y a, c'est que, regardez, ça, c'est le maire du village, de mon village, du moins du village de Ban Ponoy. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va employer des gens de son village. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il donne du travail aux villageois de son village. Je trouve ça super. Et eux, ils sont payés au kilo aussi. Eh oui. Ça veut dire que cette personne-là qui travaille a pris, par exemple, tant de kilos, tant de kilos, tant de kilos. Elle marque que ça soit incarné. Bien sûr, quand ça sort, c'est pesé là-bas. Et après, elle est payée au kilo. Si elle a fait 5 kilos, eh bien, elle sera payée tant de kilos que je lui ai demandé.
Eh ouais, il faut tuer pour faire de l'engrais. Eh ben, c'est pour l'être humain. Voilà. Après, moi je ne suis pas pour, hein, pour tuer, ça c'est certain, vous le savez. Mais si on me dirait, Eric, il nous faut de l'engrais, c'est ou de l'engrais chimique ou de l'engrais naturel. Vous préférez manger des fruits, des légumes avec des engrais naturels ou chimiques? À vous de choisir. Ou on tue ou on ne tue pas. Et le truc, c'est que chimique, c'est vous que vous allez mourir. Voilà, donc il n'y a pas... Il n'y a pas à chercher 20 ans. Ah, toi là, il y a 1 kilo. Oh. 17. 17. Ah. Ah, c'est grave. 17, 1 kilo. 40 euros. 40 bahts le kilo. Ça a augmenté. L'année dernière, c'était 35. Donc c'est bien, ça a augmenté. 40 bahts le kilo. Sec, je dis bien sec, eh, comme ceci. Hein. Voilà. Exactement, je sais que ça aère la terre, je suis d'accord avec vous ici et là. Mais il faut penser aussi qu'il faut manger, il faut se nourrir. Et comme je vous dis, moi je préfère manger je préfère manger avec de l'engrais naturel que de l'engrais chimique. Voilà. On est dans un monde de fous. Et on va s'en sortir. Voilà. Donc là-bas, une deuxième compagnie. Donc quand je appelle à la deuxième compagnie, c'est la même, hein, parce que c'est le même terrain. C'est le même terrain que celui qui a en jaune, le Pouyaban. Et voilà. Il a créé cette entreprise. Alors on ne fait pas ça toute l'année. Il y a une période, bien entendu. Donc voilà, mes amis. Voilà. Je vous ai montré, alors je fais visiter un peu à ma maman et à Marie-France le coin. On va aller dans le village. Donc on pèse ici. Hein. Voilà. Allez. Ah, Tata Josette. Voilà, en live. Je vous dis, ma maman, si elle commence à parler et à vous raconter, et surtout... Josette, ah. Non, elle m'a envoyé un message vocal. Elle se pisse de rire chez elle toute seule. Ah. Regarde où on est tous les deux, Eric et moi, là. Eh ouais. Et elle a plus de 10 ans, cette motobike. On va changer la selle. Hein. La selle, ça coûte 200 bahts, tu me disais tout à l'heure. 200 bahts pour changer la selle. Selle neuve. Donc on va aller la changer avant que Raymond et Nathalie arrivent. Voilà. Parce qu'elle est vieille, hein. Plus de 10 ans, hein, elle a. Non, 200 bahts. 7 euros, et on a une selle neuve. Vous allez vous embêter, vous? Allez, on n'est pas en France, on est en Thaïlande et on est bien. Voilà. Donc, Josette, regarde bien ta soeur. Bisous, mes soeurs.